Hello tout le monde, hey. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être... On remange des produits qu'on aime pas. J'ai vu la vidéo sur la chaîne de Joanne Paps, donc je la mettrai en barre d'infos et j'ai trouvé le concept trop cool. En fait de base on voulait vous faire une vidéo où on vous montre nos produits bouffe favoris. Donc dites nous d'ailleurs en mettant un pouce en l'air si ça vous plaît et on le fera, mais du coup je trouvais l'idée trop drôle. On a oublié les goûts et tout, ça se trouve on va re-aimer, ça se trouve on va encore plus détester. Enfin non, en soi vu qu'on est chiant, enfin moi je suis le pire. Oui, lui il aime rien. J'aime rien. En fait moi je suis pas trop casse-couille, mais en fait... Quoi? Non, franchement MDR. Non. Mais je suis casse-couille parce qu'en fait j'aime pas des trucs mais basiques. Tu voyais genre comment que tout le monde mange. Genre tous les légumes quoi. Ouais, tous les légumes, je déteste les légumes. On a tellement des goûts différents en fait que les trucs que j'aime pas, Léna elle les aime, ou les trucs qu'on aime pas, mon père va les aimer. En fait on a tous des goûts différents dans la famille. Mon père de toute façon il aime tout. C'est l'opposé de tout. Ouais, moi il mange de tout. Un truc de fou. Si, le ketchup, wouh. Ah ouais, c'est alors qu'il aime les tomates. Genre le. Bah toi t'aimes le ketchup et t'aimes pas les tomates. Hein. Ouais, j'avoue. Non mais vrai, quoi tu parles. Non mais c'est la substance des tomates que j'aime pas. À la base, on devait choisir chacun ce qu'on aimait pas. Mais vous savez que j'adore avoir les réactions surprises de Léna, que c'est toute ma vie. On s'est un peu fait mutuellement, mais du coup, moi je sais tout et elle sait que la moitié. Donc, même voilà, pas la moitié, j'ai même trop... oublié en fait. Non mais j'aime trop. N'hésitez pas à nous suivre comme d'hab sur nos réseaux qui sont sur l'écran et dans la barre d'infos. Et bah, quant à nous, on va arrêter de parler et on vous laisse juste avec la vidéo. C'est parti, let's go! Et j'ai eu trop peur. Ma vie, t'es folle, je t'aime trop. T'es trop malade dans ta tête, j'aimerais trop savoir tout ce qui se passe. Beaucoup de choses. Or et platine, consulétardine. J'espère juste que je vais pas vomir. Voilà, parce qu'en plus j'ai mangé mes sushis là. Comment vous dire que j'ai pas trop envie de les vomir quoi. C'est flou. Bon appétit. Go, go, go. Go, 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 bah ma vie, go hein. J'ai peur. Oula, c'est mauvais signe ça. Alors les gars, bah ça tu le sais en fait. Attends. Vite, mise au point. Ça me dégoûte, c'est quoi ça? C'est du épinard et tofu. Alors faut savoir que Léna et moi, on a la phobie des épinards quand on est petit. Ah ouais. Et le tofu, j'en ai goûté. Alors on a rien contre les trucs vegan et tout parce qu'on adore les steaks de soja. Oh, mais les gars, si vous aimez les poulets mais que vous aimez pas les... Les bouts durs. Les bouts durs, c'est les petits bouts qui croustillent sur la dent. Qui se rappelle le vlog. Qui se rappelle le vlog de Paris où il y avait plein de bouts durs. Bah, les steaks de soja. Comme ça a le même goût, sauf que c'est délicieux. Le tofu. Ah, mais c'est froid là, ma vie. Non, j'ai envie de vomir, vas-y, viens, on goûte vite, vas-y. On commence par les. Ah, mais ça me dé... T'as même pas mis de la crème dedans. Non, mais là, il y a vraiment moyen que je vomisse. 1, 2, 3. Oh, mon dieu, on peut pas avaler. Non, moi j'avale quand même. Mais c'est le premier truc, ma vie, tu vas pas vomir. Et dégueulasse. Ah, mais il vomit vraiment en plus. Ah, il vomit. Premier truc, tu déconnes ou quoi? Ah, mais là je vais vraiment vomir là. Non, mais tire la chasse en fait, pas du tout. Non, mais les gars, vous me dites que je suis drama. Alors, oui, c'est vrai, je vais pas exprès, regardez, je pleure. Ah, non, c'est larme. S'il te plaît, bois de l'eau, je sais pas. T'as vomi quoi? Bah, j'avais rien dans le ventre, donc j'ai vomi ce qui me restait. Ah, tu pleures quand tu vomis? Oui, tout le temps. Moi, je suis comme ça après avoir vomi. Si je vomis là, comment je vais faire avec l'huître? Ah, moi j'aime trop les huîtres. C'est ma... toute ma vie, les huîtres. Ma vie, par contre, si tu vomis à chaque truc. En fait c'est pas le goût parce que franchement le goût quand je l'ai eu en bouche ça allait grave, moi c'est la texture. Et le truc c'est que j'ai vomi trop facile, désolé les gars. Je pense vraiment mal et je dégoûte. Mon tofu. Il est rempli d'épinards en plus. On dirait une éponge quoi, non mais c'est quoi ce truc? Je connais même on pas dirait... Je connais même pas ce truc, tu me fais goûter, je connais même pas, je n'ai jamais goûté de ma vie, c'est quoi ça? Moi j'ai goûté, maman elle en fait. Bah non, tu goûtes alors? Moi je goûte pas. Bah oui, je goûte aussi. Bah non, moi je goûte pas. Hein. Ah ouais, moi je goûte pas ça. Hein. Ah non, non, c'est mort. Ah mais ça me dégoûte, une éponge moisie, sérieux. Mais c'est tout dur en plus. Mais pourquoi? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu ne manges pas. J'ai jamais mangé ça. Bah alors, tu vas pas vomir? S'il te plaît, me dis pas ce mot. Alors? Mais je suis désolée, mais en fait, je suis pas fait pour faire cette vidéo parce que je suis tellement concentrée à pas vomir que je peux pas. Ça a aucun goût. T'as l'impression de manger de la mousse, mais la texture, je déteste et le fait que ça ait pas de goût, en fait, j'ai l'impression de manger de l'air. Alors là, les gars, mais oh mon dieu, mais on va tous les deux pleurer en fait. Et là, c'est la fin là. Pour moi, attends, mais Toute l'odeur. Ah, oh, elles sont magnifiques en plus. Prends une plus petite, la toute petite, s'il te plaît. Moi, je veux les grosses. Mais c'est. Non, mais c'est. Non, mais elle est. Mais... Non, mais les gars, mais elle est pas tarée. Oh là là, c'est trop bon. J'en raffole tout le temps, toute l'année. Je pourrais en manger toute ma vie. C'est la pire texture du monde. De toute façon, tu bois une tasse dans la mer quand tu manges une huître. Genre vraiment. J'en ai déjà mangé une, je me rappellerai. Hein, parce que j'ai vomi après. Noël. À Noël, tu te rappelles. C'était il y a 5 ans, hein, mais je m'en rappelle. Je peux pas. Vraiment, je me venge.
Mais je me franche, mais ça m'a dit on est obligé de l'avaler. Genre on avale, moi j'avale 8, mais ouais, toi tu avales ça. Mais c'est quoi? Et oh des... c'est des anchois. Des filets d'anchois, mais pas que des filets d'anchois, sinon c'est pas drôle. Au capre. Je te l'ouvre parce que je suis sympa. Je déteste les anchois, c'est quelque chose d'immonde. Tout ce qui est poisson, à part les fruits de mer, donc les huîtres, j'adore. Et le poisson, mais c'est même pas en rêve. Ah, ça va. Non, en fait, on dirait des petits verres. Ça un peu enroulé, genre. Je me dégoûte. Attends, par contre, je me prépare une huître pour manger après, hein, moi. Ah, elle est magnifique, elle là. Non, elle, je peux pas, on dirait quelqu'un à vomir. C'est quoi l'eau qu'il y a là qui trempe? Pourquoi les huiles elles trempent dans de l'eau? Parce que c'est des animaux de mer. Justement, encore une raison de plus pour ne pas les manger. Pauvre, c'est dégueulasse, en plus vous les mangez, allez. Mmh, ça me donne des frissons ça. Mais c'est quoi des capres en fait? L'odeur c'est dégueulasse, ça me dégoûte, ça me répugne. La croque ou tu l'avales direct? Moi je l'aspire, je la croque, après je l'ai. Il veut pas la croquer, bah tu sais que je vais vomir. Je suis angoissée, tu me. Moi, bah quand on mange des huîtres en fait, nous les mangeurs d'huîtres. D'accord, mais tu gobes. Ok. Une question. Tu croques avec la petite perle là, tu la croques, mmh, le meilleur, et après t'avales. Pomme ça, je te fais une petite démo. Tu prends le citron, oh, tu mets sur lui. Ça me dégoûte, je vous jure. Tu prends ta petite cuillère, tu l'enlèves. Cette meuf elle est malade. Tu veux que je te la gobe? Vas-y, gobe pour montrer. Mmh. Mmh. Non, je vais pas y arriver, je vais vomir. Je suis pas. On se met tout le temps dans ce genre de situation. Mais tu l'as croqué, moi je voulais que tu la gobes. Mais non, faut pas l'avaler direct, faut croquer la perle, hein, c'est le meilleur. Je cache pas une huître en la gobant tout de suite. Oui, mais elle me saoule. Allez, moi je vais manger ça là, c'est dégueulasse, ça pue en plus. Les huîtres ça sent bon, ça pue. Alors on avale, alors on avale. Ok. Ok. Ah, il y a des bouts et tout, on dirait qu'il y a des poils. Ça me répugne. Bah, essaye de pas vomir, mais franchement. Ah ouais, moi là je vais essayer de pas vomir. Ça va être grave compliqué. Chill. 3, 2, 1, go. Tu me connais ma vie, je veux pas, je sais plus fort que moi. Allez ma vie, one life. One life, one mais life. Justement j'ai pas envie dans ma vie de manger une huître. Oui bah c'est bon. Allez, one life. 1, 2, 3. Je ne peux pas croquer. Croquer. Va vomir là-bas s'il te plaît. Oh, tu vas aller aux toilettes. On peut pas. Vite, de l'eau, je vais vomir. Vite, de l'eau, j'ai pas envie de vomir mes sushis. Tiens, ton mec. J'ai plus. Non, je. Ah, là, il y a des arêtes. Va te faire un bain de bouche. C'est pour ça que je mange plus du tout, c'est sérieux. Va te faire un bain de bouche et pleure pas ton make-up. Fais manger des anchois alors que c'est pour ça que je ne mange plus de poisson à cause des arêtes. Oh mon dieu, on dirait un bout de plastique pourri. Et moi, l'anchois, le goût. Il est infâme, on dirait aucun rapport, hein. De la pâté pour chien. Ce goût, ça me dégoûte. Je peux plus les voir là dans mon champ de vision. Quel drama. J'ai encore le goût. Allez, au suivant, vite. Pour Léna, bah toi tu sais en fait, parce que c'était ton idée, du bon gazpacho de Thomas. C'est dégueulasse. Et moi, du roquefort. Fromage qui pue, c'est genre ma phobie, moi. Les petits bouts de verre de, on dirait du moisi. Mais c'est du moisi. Mais qui peut prendre du plaisir en mangeant ça? En plus, après, tu dois puer de la gueule pendant une semaine. Ah bah c'est ce qui va t'arriver. Moi, quand on me dit gazpacho, bah c'est le vomi qui vient, quoi. Donc, non, c'est gravement le gazpacho, t'es malade. Trop bon. Oh mon dieu! Non, je peux pas! J'en sens pas. T'es malade ou quoi? Je vous jure qu'on a mis ça. Ah, ça pue le moisi. Rien qu'avec le parmesan qui a un petit tout petit peu viré, et là on fait un scandale quand on le met dans nos pains. Forte odeur, mais vraiment, mais pas possible. Ah, il a de l'eau et tout, ça me dégoûte. Je pense que ça, quand même, je vais pas vomir parce que la texture ça passe. Là, le goût, moi j'aurais vomi. Go, moi j'espère que je vais pas dégueuler. Je prends un bout avec du verre ou pas? Ça va être encore pire, donc non, peut-être dans tous les cas, tu sais, le verre ça apporte la mauvaise odeur. C'est pour jouer le jeu. Bon, à la base, c'est pas une vidéo challenge. Hein. Oh, ça pue, c'est dégueulasse. Bon, désolé pour les gens qui raffolent de gâteaux. Ah, mais là, c'est énorme, moi j'en ai ça. T'as un mal ralenti. Ralenti, bah ici. J'ai la bave du vomi qui me vient. On est pas, on est juste censé goûter des trucs qu'on aime pas trop. Et ça là, part en. C'est des qu'on déteste. Ça part en cabou pas câble. Bon, vas-y, go, 3, 2, 1. Moi j'arrive pas, je vous jure, j'ai beau. Tu dois avaler, hein. Je te connais, t'en as vu un tout petit peu. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Qui peut aimer ça? La texture elle est horrible. Y'a quoi, y'a des petits bouts ou pas? Ouais, y'a des petits bouts. Bah alors non. Ça pue la merde quoi, c'est même la merde, ça sent meilleur que ça, genre. T'es pas d'accord? Genre même nos pets ils sont meilleurs. Ah Léna! Mais Léna! Mais c'est la vérité! C'est la pire odeur du monde en fait. Et moi, faut me payer pour manger ça, les gens ils le mangent, genre ils le payent carrément, ils achètent ça. T'as pris une trop grosse cuillère, vraiment mange juste ce petit bout. Bois.
Vas-y, bois tout, ça fait bien passer l'orangine. Non mais je vomirai pas là, ça va. Tu veux voir si tu pues de la gueule? Oh! Ah, je parle plus. Elle est malade. Mais magie, je t'aime genre. Ah non vraiment... Moi aussi, mais de loin cette fois-ci. Je pue de la gueule, mais ah. Elle va te brosser les dents, parce que moi je finis pas la journée avec toi. En fait, c'est que les vieux qui mangent le Roquefort, non? Ça peut, il aime ou pas? Pas grave. Oui, mon jeune. Oui, pas de ça va. Ah, cool. On va au restaurant, puis après on va gagner. Je voulais vous demander, parce qu'on est en train de tourner, j'ai failli vomir, est-ce que vous aimez le Roquefort, vous? Bah oui, bien sûr. Oh ah mon dieu, mais comment tu fais? Ah, mais c'est immonde. Mémé, t'aimes bien aussi? Oh, je te fais remarquer que t'étais petit, je t'en faisais manger du Roquefort. Oh mon dieu, mais j'aimais bien. Je disais c'est fort parce que, tu sais, je te cache les fromages. Ah ouais, tu faisais le Grinch. Voilà. Je me rappelle. Bah les noix, j'ai fait. Oui, mais pas avec le Roquefort, hein. Tu m'as pas fait manger du Roquefort. Ah! Si on a mangé du Roquefort quand on était petit, ma phobie. Je bah, pas. Non, c'est pas possible, moi j'aurais gueulé hein, si m'aurait fait manger ça. Next! Chercher deux secondes le truc en haut. Oh, ça va, c'est une bière. C'est bon la bière. C'est trop bon la bière. Par contre, celle-là elle pue. Ah, il a pris la vraie bière, il a pris la Corona. Il allait prendre Desperio là, je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus le nom. Il allait prendre une Desperios là. Poser avec ma petite bière. Donc ma vie, je t'ai pris des petites gousses d'ail à la provençale avec les petits bouts de provençal que tu adores. Toutes ciboulette, toutes les herbes, elle déteste. Comme ça. Et moi du coup une Corona, je déteste. Mais ma vie, les gousses d'ail ça se mange pas comme ça. Si, bien sûr que si, moi j'adore. Oh. Éclate-toi, pleure, hein. Ça fait du bien. Cheers, let's go, 3, 2, 1, go. On va faire la paire, hein. Alors les deux, on va sentir de la gueule, ça va être fantastique. Bon, moi, la bière, je retente à peu près tous les ans. Tous les ans, je déteste. À chaque fois, j'oublie le goût. Et là, vraiment, j'en goûte pas pendant au moins un an parce que je déteste. Je préfère être déshydratée que boire ça. Et toi? Moi, plus jamais, je déteste l'ail. C'est dégueulasse. Ça a un goût à vomir. Je vois pas ce que c'est. Non. Ça stresse? Non. Petite nouille. Super épicée. Parce que ma vie, elle déteste l'épicé. Ouais, putain, ça m'a arraché. Ma vie, plein d'épices. Regarde, plein de petites épices. Bien piquant. Oh. Non mais c'est du hot là, c'est du spicy quoi. Là on aime pas tous les deux, mais moi genre vraiment c'est ma phobie le réglé. Genre l'heure de marcher la gueule. Tout est arrivé avec la main derrière. Comme elles sont pas assez spicy, on va rajouter le malade. Petit accessoire glamour. T'es un malade. Un peu de service. Mon dieu, j'en ai mis une tonne là-bas, faut que tu mélanges. T'es sérieux? J'ai la phobie du spicy, ça m'arrache la gueule. Donc j'aime pas, je te déteste. Moi j'adore justement cette sensation. Vas-y, j'en prends, moi je suis pas une mauviette. De Ringo. J'adore ce moment. Ah, ça arrache. On a pas de pain? Non. Ah oh bah si, il me faut du pain hein. Ça m'arrache mais j'ai eu pire. Une warrior, je mange une deuxième cuillère, ça m'arrache pas trop. C'est bizarre votre copine. Je montre que je suis là. Warrior? Ouais. Ma vie, vrai warrior. Non, je t'en mets non, deux non, non, franchement non. Si ma vie, allez t'es une warrior, s'il te plaît, montre que t'es une queen. Stop, 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 mais il est voilà. Malade lui ou quoi? C'est pas ça qui a fait le goût, il en faut beaucoup plus. Je vous montre que j'ai plus de couilles qu'Alex, même si j'en ai pas. Oh bien. J'espère que le tabasco a fait son effet, mais s'il vous plaît. J'adore, elle se fait des défis toute seule, personne lui a demandé. Oh sa mère, pardon. Dernier truc. Alena, elle va vous raconter l'histoire. Elle va m'énerver. Ah oui, Chaya. Elle raconte cette histoire à toute la famille, à chaque fois ça m'énerve. Le mytho des coralliens. Le gros mytho. C'est pas du tout des mythos. Coralia, c'est quelque chose que je déteste. Avant, j'aimais bien quand j'étais petite, mais en gros, je vous explique. On était partis. Chose de la flûte. On était parti au ski, là on rentre du ski et Alex y a mangé des corallas, donc moi aussi j'en voulais. Des corallas c'est des surimis parce qu'on appelle là, on dit lama pour ceux qui savent pas, mais oui ça s'appelle pas coralla. Ok bon des surimis, du coup j'ai dit moi je veux un corallas et ma mère elle a dit lave-toi les mains. Et moi avant c'était trop une corvée me laver les mains parce que j'étais trop petite pour aller lavabo et tout, du coup fallait qu'on porte. Et pour laver les mains et là Alex il fait tiens tu veux un corallas Léna et je te le mets dans la bouche. Et là, en sachant que j'étais petite j'avais une petite bouche, le corallas comas il me le fout entièrement dans la bouche. Mais entier. J'en pouvais plus. Tu me l'as retourné dans la bouche, arrête. Non, je vous jure, elle ça m'a dégoûté des corallas. À chaque fois qu'elle voit quelqu'un manger des corallas, elle raconte cette histoire. Moi, ça m'énerve parce que c'est faux. Et là, c'est faux, elle a inventé. Arrête, mais pas du tout, maman. Tout le monde allait voir. J'aimais trop et là, j'ai bu. Est-ce que tu t'es inventé et t'as dit que c'était moi? Du coup, moi, j'ai pris du chocolat à l'orange. Chocolat noir, hein, évidemment. J'aime les pimps aux fruits rouges, c'est dégueulasse. Oh, vraiment, j'ai la flemme de manger ça. Cheers. 3, 2, 1. Ça passe, le chocolat à l'orange.
La sauce est dégueulasse. En mangeant un entier sans la sauce. Non, non, c'est bon, j'ai déjà eu ma dose, c'est dégueulé là déjà. Chocolat à l'orange, franchement, pas mal. Et t'en avais pas mangé depuis? Non. Jure. Non. Ça fait combien de temps? Je devais avoir, c'est pas 6 ans. Pratiquement 10 ans. Je te rappelle pas de ce qu'elle a mangé hier, mais ça, elle s'en rappelle. Je m'en rappelle tout, vas-y. Bon, du coup, les gars, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez. Quoi? Non, c'est pas comme ça. Hein. Quoi? Vas-y, je fais moi. Donc voilà. Non, c'est moi en inversé rôle. Donc voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Nous, si vous voulez qu'on fasse une partie 2, un pouce en l'air, on fait. Non, allez, 150 000 pouces en l'air, on fait une partie 2. Quant à nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous, on vous aime fort. Bisous, bisous. Bisous.